Ce matin, on fait notre rentrée, en quelque sorte, avant la rentrée officielle. C'est-à-dire, on s'assure que dans toutes les écoles dans lesquelles des travaux étaient prévus cet été, elles puissent ouvrir à l'heure qu'il faut, le jour J. Et en fait, ces travaux concernent des choses très différentes. Ici, sur Jean Jaurès, on est sur de la rénovation de classes existantes, qui consiste à reprendre les sols, à faire du relamping, c'est-à-dire mettre des LED à la place des néons, mais aussi à installer des toilettes nouvelles pour notamment la maternelle, puisque cette école, dans un futur prochain, accueillera plus d'élèves qu'elle n'en accueille aujourd'hui. Donc on anticipe l'arrivée de ces enfants liés au développement de l'urbanisation sur la ville de Chambéry. On a aussi visité un groupe scolaire où l'ensemble des cours extérieurs ont été refaites, en l'occurrence débitumisées, végétalisées, avec la plantation d'arbres, de pelouses, d'espaces verts aussi, pour que les enfants ne soient plus dans un îlot de chaleur, comme c'est malheureusement trop souvent le cas dans les écoles. Et puis, nous avons aussi visité des écoles qui avaient souffert en fin juin dernier d'émeutes, donc avec des tentatives d'incendie, des débuts d'incendie d'ailleurs pour certaines, et pour lesquelles, évidemment, les travaux ont été plus conséquents, plus long cet été, mais toutes les salles de classe rouvriront à la rentrée